Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, donc vidéo où je repars encore une fois en vadrouille, je ne peux pas m'en empêcher. Et cette fois-ci, c'est un peu spécial, je ne suis pas toute seule, j'emmène trois amis avec moi et on part pour mon anniversaire! Donc on va en Sardaigne, plus précisément à Olbia. Voilà, il fait super gris dehors, donc franchement, je peux vous dire qu'on a hâte. Mais tellement hâte de partir. Et en fait, j'ai voulu partir le temps d'un week-end. Donc oui, on part seulement un week-end. Ce ne sont pas des vacances. Mais c'est parce que j'ai passé deux anniversaires confinés. Donc je me suis dit que là, il fallait contrebalancer le karma et vraiment faire quelque chose de spécial. Et j'avais envie de soleil pour mon anniversaire. J'avais aussi envie d'aller voir la mer, d'être à la plage. Je me dis que ça peut être plutôt sympa comme cadre. Je vous emmène avec nous pour cette petite escapade. Les dépités. Le parking, on est arrivé. C'était un parking de gitans. Ça recommence. On rigole, mais du coup, on a dû reprendre le parking à Orly. Et le parking officiel, ça nous a coûté 90 euros. Parce que le parking où on est arrivé, on avait réservé, on avait payé. Et les gars nous ont dit, il n'y a plus de place. Le week-end commence bien. Je n'ai pas de commentaires à faire. Allez filles, c'est quoi votre ressenti? J'ai hâte de goûter les amandes. Je parlais sur voyage, mais c'est pas grave. On est là pour la bouffe. Impression. Top. Top.
Je vais vous montrer le jacuzzi, vous allez voir gros bordel. Merde, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas, nounou. Ah, c'est... ah, regardez le jacuzzi. Il est resté à 17. Regardez, là, il est complètement dégonflé. Donc là, c'est totalement dégonflé. Il a pas chauffé de du week-end, donc on s'est fait totalement naquer. Et il y a du vent dedans. Je m'amuse. Qui suivent pour moi sont hilarantes. On a essayé de jouer au jeu haut les mains, la version mime, et vous allez voir, c'est pas du tout glorieux. Sur la perche, oui. T'aurais un torchon? Le torchon, la serviette. Bon, on a voulu aller sortir au bar, on était allé la veille parce qu'on savait qu'il y avait une bonne ambiance. Sauf que le bar était plein. Du coup, on s'est retrouvé dans un bar où il n'y avait personne. Et comme vous pouvez voir, j'avais le seum, j'étais ravie. Du coup, on a essayé de trouver une autre solution pour sortir en boîte et c'était pas gagné d'avance. Sinon, on fait boîte à la porte. Ouais, ça. Il doit bien y avoir une boîte de nuit. Je vais regarder à nouveau. Dans mon bled, il y a 10 000 habitants, il y a une belle boîte de nuit. Bon, Victoire, on a finalement trouvé une boîte. C'était vide, mais de chez vide, donc du coup on était les seuls à danser. Et au final, la boîte s'est remplie petit à petit, donc c'était super cool. Eh ben, fort bien. Fort bien, bien. Ouais. J'ai bien aimé. On est parti au bon moment quand même, faut le dire. Parce qu'il commençait à y avoir un peu trop de monde, on se faisait un peu trop pousser, on pouvait plus trop danser. Mais on a fait ce qu'il fallait, tout était bien. Trop bien. Salut. Du coup, j'ai passé un très bon... Attends, on voit rien. J'ai passé un très bon anniversaire. C'était très bien. Et c'était mal parti parce que le bar où vous voulez aller c'était plein, mais on a bu un coup dans un bar où il y avait personne. Il y a vraiment personne. Il y avait un gars qui jouait du saxophone. On est arrivé, il a arrêté. Au début on s'est dit ok, et en fait il a arrêté et il n'y avait plus d'ambiance et le bar fermait. Donc...
Mais après, du coup, on a voulu aller en boîte et on avait vu un disco club mais pourri. Et du coup, on s'est dit, ça va être marrant d'aller dans un truc vraiment à chier. Et au final, on a trouvé une adresse. Non, c'était vraiment bien. Ouais, l'autre qu'on a trouvé entre temps. Et en fait, on est arrivé, il n'y avait personne. On a pu danser comme on voulait. Et après, il y avait plein de monde, mais c'était bien. Bien dansé. Nono, t'as pensé quoi de la soirée? Une bonne surprise. Bah, les Italiens sont un cliché. Cliché italien, ou la boîte où on était, c'était peut-être juste la boîte. Mais en vrai, c'était sympa. La musique commerciale, mais sympa. Et on a vu la boîte vite et la boîte pleine. J'étais la seule vraie blonde aux yeux. Oui. T'es la seule qui brillait, moi. Oui. Tu shine. Je shine. Shine bright like a diamond. Ah, c'est bien la fin. Le soleil de Sardaigne. Pas trop triste de partir. On part pas tout de suite alors, ouais. C'est encore triste. Je sais qu'à la moitié de notre séjour en fait. D'avoir suivi nos aventures le temps d'un week-end. Franchement, c'était génial. Je ne regrette pas du tout d'être partie pour mon anniversaire. En plus, j'ai des copines géniales, extraordinaires qui m'ont suivi dans cette petite aventure et qui étaient partantes dès le départ. N'hésitez pas à partir pour votre anniversaire si vous avez un petit budget, si vous avez la possibilité. Franchement, il y a toujours des petits tips pour trouver des petits voyages pas chers. Il faut sauter le pas. Je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, à partager ou encore à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est super important pour moi pour améliorer mon contenu au fur et à mesure. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Salut !